Ouais, c'est bien mon bébé. Il a de côté aussi? Non, que celle-là. Mon amour. Non, mais on n'en prend pas 50, hein. Vous connaissez ma passion pour le skincare, c'est donc avec joie que je suis ambassadrice cette année pour Passion Beauté. Dans un an, vous allez me suivre avec eux sur différentes OP et ça démarre maintenant. Premier voyage à Paris pour la sortie du nouveau parfum Angèle de chez Thierry Mugler, qui d'ailleurs est en avant. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, oui, je suis ambassadrice pour Passion Beauté, je suis trop contente. Moi, les cosmétiques, c'est toute ma vie. J'adore me faire des soins, j'adore découvrir de nouvelles marques, j'adore chouchouter ma peau me le rend bien, on a une belle relation ensemble, donc voilà, c'est vraiment un trop beau projet. Et, bon, je vais arrêter de le répéter parce que je pense qu'à un moment donné, je vais vous saouler avec ça, mais voilà, je suis trop contente. En parlant de soins, ce week-end, c'est un gros week-end, ce soir j'ai l'apéro des oubliés, demain j'ai la blouse française et dimanche... J'ai l'anniversaire d'une copine, donc il faut que je prépare ma peau à encaisser ce week-end. Avant de faire le masque, je me suis fait un petit gommage de chez Filorga, le Scrub and Detox. J'en ai presque plus d'ailleurs. Regardez, il est noir comme ça. Je le kiffe. Donc on exfolie et après on laisse un petit peu poser. Voilà, j'aime bien avoir une peau nette avant de faire un masque. Comme ça, les principes actifs, ils rentrent bien dans votre peau après. Et justement, dans le coffret que Passion Beauté m'a envoyé, j'ai reçu ce masque licorne, n'est-il point mignon? À la coconut water, voilà, qui va permettre d'illuminer et de donner du tonus. Donc, c'est parti.